La vidéo ici est juste pour les personnes qui m'ont posé des questions concernant les États-Unis et le Canada. Beaucoup de gens sont encore en France et surtout en Europe entière. Il y a certains également qui sont encore en Afrique qui veulent vraiment savoir les différences entre les États-Unis et le Canada. Et d'autres personnes veulent seulement écouter pour qu'ils aient l'idée avant de se décider de prendre cette grande décision de quitter toute une famille. Tout un village, toute une communauté est venir se chercher ailleurs, précisément ici en Occident, en Amérique du Nord. Alors la vidéo ici, elle est pour vous. Dans la vidéo ici, ce sont mes pensées, mes points de vue que j'ai collectés quelque part et puis je vais vous les dispenser. Si vous aimez les contenus, en tout cas, encore une fois, avec un cœur sincère, n'oubliez pas de mettre les commentaires si vous avez. Si j'ai laissé quelques éléments, mettez-les dans les commentaires pour que je m'indique également personnellement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici, oh, chaîne, il y a éléments à bien. Mettez les abonnements, abonnez-vous, ça me fera du bien. Et si vous voulez que les messages ici arrivent à beaucoup de personnes, partagez la vidéo. Alors, on continue. Mettez les j'aime, c'est ce qui me fera du bien également. Je vais vous parler à peu près 8 points, 8 éléments essentiels dans la vidéo ici. Alors, je pense que chacun aura sa part dans la vidéo ici, si vous me suivez jusqu'à la fin. Vous savez que quitter les pays, surtout les pays où il y a la guerre, il y a l'insécurité, il y a l'instabilité politique, il y a l'injustice sociale, et prendre les risques d'aller chercher la vie ailleurs, quitter les zones de confort pour aller vraiment chercher la vie ailleurs. La première chose, selon moi, c'est que vous allez regarder, c'est la sécurité. Vous devez vous sécuriser d'abord. Alors, si je vais comparer la sécurité entre les États-Unis et le Canada, je vais dire que le Canada va gagner puisque la sécurité aux États-Unis, tout le monde sait qu'il y a toujours des fusillades par-ci, par-là. Ça ne peut pas faire 2 jours ça qu'il y ait toujours des annonces sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les chaînes de télévision, qu'il y a les tirages en masse. Ça, c'est quelque chose de commun aux États-Unis. Alors, au Canada, cela est presque. Ah, je dis que c'est presque impossible, mais vous n'allez jamais. Au moment où je fais la vidéo ici, il n'y a pas. Il n'y a aucun coin où on a écouté chaque mois, il y a tirage à masse. Il y a quelqu'un qui est parti, par exemple, dans un coin, dans un parc où les gens sont en train de jouer et en train de tirer les gens. Cela n'est pas encore arrivé ici au Canada. Tandis qu'aux États-Unis, si vous avez les enfants, les matins, vous allez vous inquiéter. Vous ne savez pas comment les enfants vont entrer dans l'autobus. S'il y a quelqu'un qui va être avec une mauvaise intention d'aller à l'autobus, vous ne savez pas là où ils iront à l'école, il y aura des tirages, vous ne savez pas comment vous retournez. Donc il y a beaucoup plus d'inquiétude sur le point sécurité aux États-Unis comparé à la sécurité qui est au Canada. Ça, c'est mon point de vue qui est presque personnel et je pense qu'il y a certains qui vont vraiment qui vont accepter mon point de vue là. Le deuxième point également, ça va être l'immigration. Comme vous quittez, vous allez quitter, vous allez regarder, vous allez vous poser des questions. Quel est le pays où l'immigration mais sera favorable, la facilité d'immigrer? Si on prend les deux pays, le Canada, c'est parmi les pays qui reçoivent beaucoup d'immigrés au monde. L'année passée, le Canada a fait entrer plus de 470 000 immigrants. Ça comptait des clandestins, des étudiants. Donc, il y a 490 000. Ça, c'est déjà un grand nombre. Pendant qu'aux États-Unis, je ne pense pas qu'ils peuvent atteindre le niveau-là. Et puis, la chose qui est différente, aux États-Unis, vous pouvez entrer, mais pour avoir la citoyenneté, ça va vous prendre du temps. Ça va vous prendre vraiment du temps. C'est toujours green card, green card, green card. Mais pendant qu'au Canada, dès que vous avez vous êtes déjà ici, vous avez la facilité d'avoir une nationalité. Quand je parle de nationalité, ce n'est pas parce que le pays d'origine n'est pas bon, mais quand je parle de nationalité, c'est avec les passeports canadiens,
On a beaucoup d'opportunités. Vous pouvez aller dans beaucoup de pays sans vous inquiéter. Vous avez beaucoup de pays où vous n'allez même pas payer les visas. Vous allez juste vous lever et puis partir. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'avantages quand vous êtes citoyen canadien. Et vous allez voir qu'être citoyen canadien, ça ne prend pas beaucoup de temps comparé à celui qui veut être américain. Le temps que vous allez prendre pour être américain, ça va vous prendre beaucoup, beaucoup de temps par rapport à la personne qui veut être citoyen canadien. Ça, c'est mon point de vue d'immigration. Et puis, si vous êtes immigré déjà ici, vous passez un jour à sponsoriser votre famille. La sponsorisation au Canada, je pense qu'il y a plus de facilité et ça marche plus vite par rapport à celui qui va sponsoriser aux États-Unis par rapport au Canada. Ça, c'est mon point de vue, c'est le deuxième point d'immigration. Alors, quand vous allez immigrer, il y a des gens qui viennent avec la famille, soit ils viennent avec l'idée d'étudier. Alors, je vais parler de l'éducation un peu. L'éducation entre les États-Unis et le Canada, il y a une grande différence. Et personne ne peut me contredire dans ça. Encore, ça dépend de quelle université vous allez fréquenter. Mais en général, comme je fais la vidéo ici, je généralise les choses. Je ne peux pas partir sur chaque université ou bien collège pour vous donner les détails. Mais en général, si vous voyez l'éducation des États-Unis est deux fois, même trois fois plus chère que celui du Canada. Ça, c'est connu partout. Même les gens qui viennent de la France confirment que, en tout cas, l'enseignement, l'éducation canadienne est tellement évolué, avancé par rapport à beaucoup, beaucoup de pays. Même si vous allez remarquer les enfants qui vont à l'école même secondaire au Canada, même maternelle. À l'âge de maternelle, déjà, on commence à donner les enfants les goûts des responsabilités, de choisir même ce qu'ils peuvent faire quand ils seront adultes. Vous irez dans les écoles primaires, il y a les enfants qui sont intéressés, par exemple, par la menuiserie. On commence déjà, si on voit que l'enfant aime la menuiserie, il y a les enseignants, les superviseurs, les instructeurs qui prennent du temps à orienter l'enfant dès le bas âge. Donc, l'enfant va grandir, il sait déjà qu'il est intéressé par exemple avec la médecine. Il est déjà intéressé avec ceci ou cela. Ça se fait ici. Mais par exemple, aux États-Unis, je ne pense pas que cela arrive comme ça. Et vous allez voir, comme j'ai parlé des coûts scolaires pour les étudiants, par exemple, internationaux, vous verrez que si au Canada, par exemple, la moyenne, ça coûtait à 15 000 dollars, exemple, aux États-Unis, ça va coûter à peu près 30 000 dollars. Dans de bonnes universités, je ne parle pas de collèges et des petits collèges là privés. Je parle des institutions qui sont vraiment reconnues. Ça, c'est mon point de vue également et ça ne regarde que moi. Le troisième point, quand vous arrivez ici, vous allez penser à la santé. Puisque si dès que votre santé n'est pas normale, vous allez vous buter à beaucoup de choses. Ça sera galère partout. Toute votre vie ne sera pas stable puisque la maladie, ce n'est pas bon pour notre santé. Alors, vous verrez au Canada, je vais commencer avec le Canada. Le Canada, les soins de santé est universel et gratuit. Vous pouvez tomber malade aujourd'hui. Vous avez l'accès à aller à des cliniques, à aller à des pharmacies. Et s'il y a on peut vous orienter là-bas, mais surtout, je vais parler, il y a des cliniques, il y a des hôpitaux, des émergences. Tout ça, c'est gratuit. Dès que vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin d'assistance médicale. Vous allez vous présenter seulement avec votre carte maladie. Vous êtes protégé à 90%, je dirais, puisqu'il y a d'autres soins que les gouvernements ne prennent pas. Par exemple, la vision, il y a les dents, des petites choses comme ça là. Ce n'est pas, ce sont les frais que vous allez payer personnellement. Maintenant, encore autre avantage, si vous travaillez déjà au Canada, les compagnies vous payent par exemple les soins médicaux, de telles choses, les soins médicaux qui seront comme les dents, les travaux là où tu travailles, les employés payent ça à votre entreprise, payent pour votre dent, la vision, il y a les massages, le massage thérapeute, vous payez également les filles.
La médecine, par exemple, orientale, pour les aiguilles, j'oublie comment on appelle ça en français, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages que votre entreprise va compléter. C'est que les gouvernements ne payent pas, votre entreprise complète cela. Ça, c'est un avantage. Pendant qu'aux États-Unis, les soins médicaux n'est pas universel, n'est pas pris à charge du gouvernement. Donc, si vous tombez malade, vous allez payer les factures seul. Si vous tombez malade, ça vous regarde. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ceci, mais je ne veux pas entrer en détail. Tout ce que je sais, quand vous vivez aux États-Unis, il vous faudra au moins deux travails. Deux travaux. Le premier travail, c'est pour votre facture, votre vie normale. Et le deuxième travail, ça peut être un travail de temps partiel où vous allez économiser l'argent dans le cas où ça ne marchait pas, dans le cas où ça n'allait pas bien, vous tombez malade. L'économie que vous allez mettre à côté là, ça va vous aider aux soins médicaux. Les soins médicaux ici, ce n'est pas facile. Ici, si tu es un international, tu viens ici, tu n'as pas l'assurance maladie, pour payer seulement les lits des malades par jour, ça peut être à 1000 dollars. Ça peut aller à 1000 dollars. Juste par jour, si tu n'es pas canadien, si tu n'es pas assuré. Alors, c'est mieux d'être. Bon, même les résidents ont droit aux soins médicaux. Dès que vous arrivez ici, vous avez droit à tout si vous êtes entré convenablement ici. Puisque si tu es étudiant international, par exemple, il y a des frais, l'assurance maladie qui est là. Ça peut ou ne pas couvrir tout, mais quand même vous couvrez quelque chose d'important dans votre vie. Alors ça, c'est un point de vue sur la santé. Alors si vous avez beaucoup de choses à ajouter sur la santé que je ne connais pas, la place est là dans les boîtes de commentaires. Communiquez, ça va me faire du bien. Alors on évolue toujours. Si vous, jusqu'à maintenant vous me suivez, n'oubliez pas de mettre les j'aime si vous aimez le contenu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, en tout cas, prenez le temps pour vous abonner à la chaîne ici, ça me fera du bien. Et si vous aimez le contenu, mettez également les j'aime. Et partager la vidéo si possible. Je vais parler de l'économie également. Je sais que l'économie, c'est la partie la plus importante dans beaucoup de gens, surtout quand tu quittes les pays où tu n'as jamais travaillé, tu as toujours besoin de travailler, tu as besoin de couvrir aussi les dépenses familiales, tu veux économiser, tu veux épargner, tu veux t'acheter quelque chose de bien, mais tu n'as pas les moyens. Alors, je vais parler de l'économie. Mais quand je parle de l'économie, beaucoup d'opportunités, sur le plan économique, beaucoup d'opportunités, ça va aller aux États-Unis. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, États-Unis est plus peuplé que le Canada. C'est 10 fois plus peuplé que le Canada. Donc là où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'opportunités. Et puis, comme il y a beaucoup de gens, donc ça signifie qu'il y aura beaucoup de villes. Il y aura beaucoup de villes. Donc, quand il y a beaucoup de villes, vous avez les choix. Tu peux vivre à Dallas, tu peux aller vivre en Californie, tu peux aller vivre à New York. Dans New York, il y a beaucoup de. Donc, il y a beaucoup de places. À Chicago, il y a beaucoup de villes où tu peux cibler pour aller vivre. Par exemple, au Canada, on ne parle que plus de 4 villes. Il y a la ville de Toronto, Vancouver, Montréal, Calgary. Maintenant, si on faisait la comparaison, une petite comparaison que je vais vous donner dans la vidéo ici. Par exemple, à Toronto, le coût des loyers d'un appartement, parce que ce sont des grandes villes, sont toujours chères. Ça, prenez ça d'abord comme ça. Toronto, avec une chambre de 2200, à New York, parce que l'équivalence de Toronto, c'est New York. La grande ville du Canada, c'est New York, c'est Toronto. Et des États-Unis, c'est New York. Alors, à Toronto, un appartement peut aller jusqu'à 2200 par mois. À New York, c'est 3500. Ça, ce sont des moyens. Il y a des ceux qui sont à 5000, à 10 000, c'est comme ça là. Alors, quand on parlait de New York, c'est 3500 américains. Pendant qu'au Canada, c'est 2200 dollars canadiens. Alors, faisait la différence. Si les 3500 de New York, on les mettait au dollar canadien, ça risque d'arriver à 4 500, 5 000 dollars canadiens. Si je prends par exemple Vancouver, une chambre dans les banlieues, ça peut coûter à 2 300 dollars. Vancouver est à peu près plus cher que Toronto. Vancouver qui est à 2 500, 2 300, ça peut être même chose avec Chicago également, les maisons sont chères.
Ça peut aller jusqu'à 2300. Regardez. Et si je prenais par exemple Montréal, parmi les villes que je vous ai citées au devant du Canada, Montréal est une grande ville, mais le coût de la vie est moins cher. Un appartement dans les centres-villes peut aller à 1 700 $. Maintenant, si je prends Boston, par exemple, c'est 2 800. Il y a une différence entre 1 000 $ dans chaque ville que vous allez partir, les 1 000 $ entre les villes de Vancouver, du Canada et les villes des États-Unis. Donc, le coût, il y a des fois où on dit que le coût de loyer des États-Unis est cher. Il y a des fois où on dit que ça devient moins cher. Mais écoutez-moi, quand je parle de coût de loyer cher, c'est seulement dans 3 villes au Canada. Je peux dire 4 avec Calgary. Toronto, Vancouver, Montréal et Calgary. Pendant qu'aux États-Unis, vous avez le choix, vous pouvez aller vivre dans d'autres villes qui ne sont pas reconnues comme chères, vous allez vous retrouver là-bas. Même chose avec le Canada. Alors, je ne peux pas rester là-bas trop. Quand je parlais de l'économie, je vais également parler du travail. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'opportunités aux États-Unis comparativement au Canada. Comme il y a beaucoup de gens, donc ça fait du sens. Mais partout, il y a le travail. Il y a tous ceux qui viennent ici, par exemple, les gens de mon pays, ceux qui veulent travailler, ils ont toujours travaillé. Ça dépend du travail que tu veux. Si tu veux vraiment travailler juste dans les métiers que tu connais, que tu maîtrises, c'est là où tu peux avoir des problèmes si tu ne te retrouves pas, si tu ne trouves pas l'emploi dans les secteurs que tu veux. Mais si tu es polyvalent, tu es prêt à faire tout pour subvenir aux besoins et te spécialiser dans certains domaines qui n'est pas votre domaine, vous avez beaucoup d'opportunités, que ce soit au Canada, soit aux États-Unis, vous avez d'opportunités. Mais si l'économie, je vais donner un point aux États-Unis par rapport à au Canada. Maintenant, le point social, je ne sais pas si je peux parler du point social dans la vidéo ici, mais tout ce que je sais, ici, que ce soit le Canada et les États-Unis, il n'y a pas la vie sociale, il n'y a pas vraiment la vie sociale. Tout ce que je peux dire, que quand on parle de la vie sociale, je peux parler de la cohésion interraciale. Ici au Canada, je peux dire par rapport aux États-Unis. Quand on voit chaque jour, j'ai dit mieux au Canada par rapport aux États-Unis, c'est parce que quand on voit chaque jour les gens qui se plaignent, qui se battent, les noirs entre et les blancs, les gens qui ont commencé à vivre il y a longtemps ensemble, mais ne parviennent pas toujours à trouver un terrain d'attente pour vivre avec une harmonie qui est vraiment parfaite. Même si ce n'est pas harmonie parfaite, mais d'une manière vraiment qui pourra mettre tout le monde à l'aise. Mais pendant qu'au Canada, avec toutes les races qu'on a, toutes les langues qu'on a, comme on dit, c'est un pays multiculturel, ils acceptent la tradition, la culture de chaque pays. Vraiment, il y a l'harmonie d'asile, c'est pour là, il y a l'harmonie. Mais ce qui est négatif dans les sociales, que ce soit au Canada, aux États-Unis, ici, il n'y a pas la vie sociale. Ce n'est pas des pays communistes, ou des socialistes. Je peux dire socialiste parce que chez nous, par exemple en Afrique, les gens passent le temps ensemble à tout moment. Tu viens du travail vers 16h après avoir pris un peu de repos, tu peux aller te promener chez les voisins, tu peux t'asseoir devant ta maison à l'extérieur, devant la route. Il y aura toujours les gens qui vont te parler. Tu peux aller t'asseoir chez ton voisin, vous allez communiquer. Tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un pour aller les visiter. Tu n'as pas besoin de faire des gymnastiques pour parler à quelqu'un. C'est naturel. Tu peux vivre quelque part, mais quelqu'un, il y a trois avenues. Il sait là où tu vis. Même si vous ne vous parlez pas, ils savent que ça, ces petits-là habitent chez quelqu'un. Vous connaissez ça, que vous puissiez connaître les gens. La vie sociale chez nous est vraiment en valeur par rapport à ici. En Occident, ici, en Occident, en Amérique, que ce soit en Amérique du Nord, même en Europe, c'est la même chose. Alors, dans le coin social, comme je vous ai parlé des vies sociales, je vais parler seulement du climat. Le climat, je vais donner également aux États-Unis les points par rapport au climat canadien. Au Canada, vous savez que si vous voyez bien les pays comme ça, comme c'est dessiné, les gens vivent juste aux côtés des États-Unis, parce que le nord des États du Canada, c'est tellement froid, il fait vraiment 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 froid là-bas, il fait froid. Alors plus vous descendez proche des États-Unis, plus il fait frais, plus il fait beau. Mais le climat aux États-Unis, même s'il y a des coins où il fait vraiment plus froid qu'au Canada, certains coins, par exemple New York, des coins de l'est là-bas, mais
Vous avez beaucoup de choix. Vous pouvez choisir où vivre aux États-Unis parce que ce n'est pas partout aux États-Unis où il fait froid. Donc, si vous allez par exemple à l'ouest, là où il y a les Californies, de San Diego, tout ça, là où il fait chaud, Floride, il fait chaud, 24 heures. Donc, il y a les gens ont des piscines dans leur maison, dans leur parcelle parce qu'il fait chaud toute l'année là-bas. Alors, aux États-Unis, vous avez la chance, vous avez l'opportunité de choisir un coin où vous pouvez vivre. Si vous n'êtes pas, vous ne vous habituez pas au froid, vous avez l'opportunité. Mais au Canada, partout, il fait froid. Sauf dans des villes comme je vous fais toujours dans la vidéo, dans la ville de Vancouver et Victoria. Et puis, c'est à cause de cela, à cause de ce climat-là, ces deux villes-là sont des villes à surchauffe au Canada, tellement c'est cher. C'est parce que les gens vont se poser la question pourquoi c'est cher. C'est parce que le climat est favorable et tout le monde veut y vivre. Quand tout le monde veut y vivre, il y a manque de maisons, manque de logements, alors le coût de la vie va hausse. Même la nourriture, il y a beaucoup de gens par rapport à la nourriture. C'est pour cela qu'il y a tout est cher ici à Vancouver et à Victoria, dans la province de Colombie-Britannique. Alors, si le point climatique que je vais donner. États-Unis et point. Maintenant, je vais clôturer avec le coût de la vie. Le coût de la vie, comme je vous ai donné l'indice déjà avec les coûts de logement, Toronto, New York, Vancouver, telles choses-là. J'avais dit que l'opportunité, c'est aux États-Unis, mais si vous pouvez épargner de l'argent, les gens parlent en général que l'épargner de l'argent, c'est ici. Au Canada. Ce qui est paradoxe, souvent les gens, quand ils finissent les études, quand je retourne sur l'éducation, les gens, il y a certaines personnes qui préfèrent étudier ici au Canada, quand ils finissent et puis ils déménagent, aller travailler aux États-Unis. Ça, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'opportunités, comme je vous ai dit. Alors, le coût de la vie, ça dépend d'une personne à une autre. Celui qui veut vivre dans des villes, dans des provinces qui ne sont pas à surchauffe, vous allez vivre un coût de la vie moins élevé par rapport à celui qui vit dans la ville où il y a tout est à surchauffe, tout est busy, 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 busy. Là où il y a beaucoup plus de demandes que l'offre, vous allez voir que le coût de la vie sera toujours élevé là-bas. Alors, dans la vidéo ici, je pense que si le point sécuritaire, je vais donner Canada un point. Si le point immigration, c'est Canada. Éducation également, qui coûte moins cher, je vais donner Canada. La santé également, comme c'est universel et gratuit, je vais donner Canada. À moins que tu sois riche, ça ne te dérange pas, tu peux payer tes factures seules. Mais si le point économique, je pense que je vais donner les États-Unis. Point climatique également, je vais donner États-Unis point. Donc, sur les 8 points que j'ai donnés dans la vidéo ici, il y a 6 points qui sont positifs au Canada, pendant que les deux sont aux États-Unis. Encore une fois, ça peut être facultatif. Vous pouvez écouter certaines personnes qui vivent aux États-Unis qui disent qu'ils n'ont jamais connu l'insécurité. Alors, quand je fais les vidéos, je fais général. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les réalités de la vie, tu peux te retrouver dans un coin où il y a pas de, il y a de la sécurité. La sécurité n'est pas partout aux États-Unis. Il y a les coins, les poches là, peut-être sont nombreuses par rapport aux poches d'insécurité qui est au Canada. Mais en général, tout le monde sait que l'insécurité est plus aux États-Unis qu'au Canada. Ce sont des réalités qu'on ne peut pas nier. Aujourd'hui. Alors, je pense que la vidéo ici vous a fait plaisir, vous a fait du bien. Je m'excuse pour être trop long dans la vidéo ici, mais alors, en tout cas, je voulais juste énumérer certains éléments qui pourront vous faire du bien, vous donner des idées, surtout à ceux qui veulent partir, soit venir vivre ici au Canada. Alors, si vous avez aimé la vidéo, on se revoit encore très bientôt. Restez scotché, on se revoit et bye bye.